Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420. Aujourd'hui, grosse vidéo sur Cyberpunk 2077 et c'est parti pour la localisation d'items légendaires. Mais attention, dans cette vidéo, je vous ai mis que les vêtements, c'est-à-dire haut du corps, bas du corps, tête, mais en plus, seulement les items qu'on peut récupérer au sol directement, c'est-à-dire les légendaires gratuits. On peut en récupérer via des quêtes ou autres. Dans cette vidéo, c'est vraiment de la localisation pure. Donc vous pouvez, entre guillemets, tous les récupérer au début du jeu, à part 2-3 qui sont entre guillemets bloqués pour la fin du jeu. Mais vous allez très vite comprendre que c'est très facile de récupérer ces items dans cette vidéo. Je vais faire une description nickel avec la timeline, les numéros, comme ça si vous voyez par exemple une veste qui vous plaît ou une botte qui vous plaît, directement vous allez dans la description, vous cliquez dessus et vous allez arriver à l'endroit pile poil de localisation dans la vidéo. Moi je vais vous laisser donc avec tous ces légendaires à récupérer et franchement il y en a vraiment beaucoup. Merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à la communauté et bon jeu à vous.
passe au numéro 3, le haut à rabat de Rocker, très sympathique aussi, avec un maximum de style. L'endroit de localisation juste à côté du numéro 1, 2, vous avez maintenant le numéro 3, très simple. Vous venez ici à cet emplacement pour récupérer le haut à rabat de Rocker. Attention pour le numéro 3 de la vidéo, il faut être vraiment bien attentif, tout simplement parce que ma PlayStation elle a mangé quelques images. C'est pas de la faute de CD Projekt, c'est pas de la faute de Cyberpunk, non, c'est la faute cette fois-ci de ma PlayStation qui se fait vieille et de temps en temps a un peu du mal à tout enregistrer, c'est pas grave. Regardez bien les images, vous voyez l'escalier qu'il y a juste devant vous là, je vais aller dessus. Ma PlayStation va manger les images quand je rentre dans l'escalier, mais c'est très simple, vous suivez tout simplement cet escalier qui monte et vous tournez sur la gauche. Quand vous allez arriver sur la gauche, il va y avoir un cadavre au sol. J'ai déjà récolté le haut à rabat de Rocker avant, donc malheureusement il n'est pas sur la vidéo, mais c'est bien l'emplacement numéro 3 et bien précis.
Je suis de retour pour vous expliquer qu'à cet emplacement si bien précis, le numéro 18, il y a un légendaire à récupérer, mais je n'ai pas pu l'avoir, tout simplement parce qu'il faut augmenter les compétences de son personnage pour pouvoir passer la porte et j'étais pas encore assez haut level. C'est le seul légendaire que malheureusement je n'ai pas su récupérer de la vidéo. Pour celui qui passe la porte et qui le récupère, qu'il n'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci à vous et bon jeu.
au numéro 9 les fameuses lunettes aviateurs. On arrive sur le dernier emplacement de localisation pour le 9e item de cette vidéo et le 8e légendaire à récupérer, Santo Domingo Rancho Coronado. À cet emplacement-ci, donc, vous allez pouvoir récupérer les lunettes aviateurs. Attention parce que ma PlayStation a un peu mangé les images, histoire de vous réveiller un peu pour la fin de vidéo. Donc c'est très simple, je suis ici, il y a un Foodscape juste en face, en fait c'est très simple. La technique c'est que le légendaire se trouve juste à côté du Foodscape. Donc c'est très simple, vous suivez bien mon personnage, ok? Je vais aller là, ma PlayStation dans 2-3 secondes va manger les images, vous passez le parasol qui est juste devant vous, ok? Donc vous avancez vers le parasol, là je suis juste derrière le parasol, et au final, à côté du Foodscape, vous avez un légendaire ici à récupérer, les lunettes aviateurs qui ont un max de style en plus. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, désolé pour les petits bugs de temps en temps. Thank you.